spoke these words. This is an age of gods and monsters. I wish not for dominion. Yet I cannot watch the common folk suffer. I will have order! Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui petit rituel comme avant chaque sortie des portails donc je vous donne mes conseils s'il faut invoquer ou non donc ça va être tout simplement euh, des informations pour vous. Si vous avez du mal à vous décider, le choix final vous retient. N'oubliez pas que de toute façon, le meilleur personnage, c'est celui que vous kiffez et que vous aimez jouer. Donc, euh, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur les persos, sur ces portails-là. On a les taux affichés comme d'habitude juste ici. Donc, ces calculs sont basés. En fonction des données officielles qui sont disponibles sur le jeu. Donc, c'est des taux à titre indicatif. Il y a sûrement des petits trucs cachés. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une petite idée. Et que vous invoquiez avec le maximum d'informations possible Comme d'hab, le petit pouce bleu et l'abonnement ferait extrêmement plaisir. Si vous appréciez les vidéos et que vous voulez être au courant des prochaines qui sortent. Gros, gros live Twitch. Je rappelle invocation 19h30 le mardi sur Zongli d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Il faut pas rater ça. Ça va être juste incroyable. Donc. Zongli, ça va être tout simplement de base. Il va avoir un set qui va être défensif. Il va permettre de, de frapper avec une lance. Il va avoir un sort qui va permettre de faire exploser les constructions géo à proximité et de gagner un bouclier. Ce euh, bouclier va absorber les dommages en fonction des CPV max. Donc, plus vous avez de PV plus le bouclier va absorber de dommages. En plus de ça, il a un ultimate qui va permettre de faire tomber une météorite qui est super classe pour le coup sur le terrain. Et cet ultimate-là, il va permettre aussi de pétrifier donc, les ennemis aux alentours. Il a euh, un temps de recharge qui est assez faible, donc vous allez pouvoir le spam pas mal de fois si vous avez pas mal de recharge d'énergie. Et il permet euh, de poser pas mal de contrôle sur le terrain. Voilà pourquoi le perso est très bon. Au niveau du 5 étoiles disponible sur la manière, donc ça va être ça. Donc, Zongli, ça va être ses capacités. Après, derrière, on va avoir les 4 étoiles à côté. Et les 4 étoiles sont très importants aussi parce que ça va être de très bons persos. On peut faire clairement une team avec des 4 étoiles. Et donc, on en a 3 disponibles sur chaque bannière en rate-up. Donc, ça veut dire que le taux va être augmenté. Sachant que, en gros, quand vous avez un 5 étoiles, vous avez une chance sur deux que ça soit Zongli le premier. Et que le deuxième va être Zongli. À 100%. Donc, lorsque vous avez un 5 étoiles, il faut bien retenir ça. On a la pity comme d'hab, qui est qu'au bout de 90 invocations, enfin 89 sans euh, 5 étoiles, vous allez avoir la 90 e qui va vous garantir un 5 étoiles. Du coup, celui-ci aura une chance sur deux d'être zongli. Et euh, derrière, si vous avez un deuxième 5 étoiles et que le premier n'a pas été zonglé, bah le deuxième sera zonglé, forcément, car c'est ce, le perso principal de la bannière. Au niveau des 4 étoiles, donc on va en avoir 3, on va avoir euh, Résor, Shungyun et Signa. Donc Résor, ça va être tout simplement un DPS électro. Il va avoir une épée à deux mains. Euh, il va avoir un Ultimate qui va permettre de faire euh, pop une âme du loup derrière lui, donc qui infligera des dégâts électro. Un perso qui est assez cool, assez fort. Euh, avoir... Ce que vous avez dans votre team, pourquoi Parce que par exemple, si je fais parler avec Beidou, si vous jouez déjà Beidou, je trouve que c'est inutile d'avoir les deux dans une même team. Pourquoi Parce qu'ils utilisent tous les deux la même arme dans un premier temps, donc tous les deux une épée à deux mains. Et en plus de ça, ils vont avoir tous les deux le même type, donc type électro. Déjà que de base, personnellement, je ne conseille pas trop d'avoir deux persos avec une épée à deux mains, après c'est un choix personnel. Euh, là, ils vont avoir un peu les mêmes fonctionnalités les deux, sachant que Beidou, contrairement à un Razor, elle va avoir un contre. Et que son ultimate va plutôt être quelque chose qui va infliger des dégâts en continu, là où Razor a un peu euh, le même rôle. Donc, si vous avez déjà Beidou de monter, je pense que Razor n'est pas forcément le perso qui font viser. Maintenant, on a Shungyun qui va arriver. Donc, Shongyun, ça va être un personnage cryo avec une épée à deux mains, encore une fois. Donc, euh, celui-ci va aussi permettre d'infliger des dégâts. Il est plutôt cool, Shongyun hein, Il a un ultimate qui permet de faire tomber euh, des épées de glace sur le sol. Qui va pouvoir infliger pas mal de dégâts, faire proc vos réactions élémentaires. Bon perso à demain. Donc si vous, si vous cherchez un personnage Cryo qui fait des qui est DPS, vous pouvez le jouer. Il va être plutôt cool à ce niveau-là. On va avoir Sinyan aussi. Donc la nouvelle Pyro à 4 étoiles. Donc Sinyan ça va être un perso qui va être protecteur. Donc de, de type défensif. Donc un peu comme les en fait, elle va avoir quoi Elle va avoir un bouclier qui va dépendre du nombre d'adversaires que vous avez autour de vous. Donc plus vous allez avoir d'adversaires de de, autour de vous, plus le bouclier va être puissant. A savoir que euh, ça dépend aussi euh, de ses passifs débloqués, mais en gros, on a un bouclier lorsqu'il y a un ennemi, lorsqu'il y en a deux et lorsqu'il y en a trois ou plus. Donc plus il y aura d'adversaires, plus le bouclier va être puissant et va absorber les dégâts. Donc euh, personnage de type pyro, qui utilise donc le feu. En plus de ça, on va avoir un ultimate qui va permettre de repousser les ennemis aux alentours et euh, d'apporter un peu de dégâts avec une explosion pyro. Donc, c'est quand même un, une mécanique qui est assez intéressante. Le fait de pouvoir projeter les adversaires euh, en dehors euh, d'une certaine zone. Dans le sens où, des fois, on peut être acculé on peut avoir vraiment énormément euh, de monstres autour de nous qui tapent et être un peu noyé sous les coups. Pour les projeter euh, sur le côté, ça va être plutôt intéressant pour pouvoir se sortir de situations un peu délicates. Au niveau euh, des invocations, comme vous voyez là, les taux indicatifs, donc on va avoir pas moins de 3% de chance d'avoir zonglé à la première multi. Au niveau euh, de ça, vous pouvez voir qu'à à peu près, avec votre niveau de primogème, le taux que vous pouvez avoir de drop euh, le perso. Au niveau euh, de la colonne donc, de gauche, ça va être tout simplement la chance d'avoir un 5 étoiles avec le nombre de vœux, sachant qu'à la 90e, de toute façon, vous avez un 5 étoiles garanti. Lorsqu'on va passer à la colonne juste en dessous, donc de 100 à 180 vœux, ça va être le taux d'avoir au moins 2 5 étoiles. Sachant qu'à la fin, de toute façon, des 180 invocations, vous avez zongli de garantie. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête juste ici. La colonne de droite, ça va être tout simplement le taux d'avoir zongli. Donc, c'est un taux indépendant. Hein, ça va être le taux d'avoir zongli en fonction euh, de tel ou tel nombre de primogènes. Et on voit qu'à partir de euh, 90, donc à la première pitié, on a quand même 55% d'avoir zongli. Donc, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne. Et on espère d'ailleurs euh, le drop clairement. À la première Pity, voire avant c'est toujours mieux de drop avant la Pity, mais comme vous le voyez les taux sont plutôt euh, très bas au niveau euh, des 5 étoiles donc pourquoi pas au niveau euh, de la soft pity qui a été euh, qui a été un peu euh, démontré sur Reddit je n'ai pas pris ça en compte pour les taux clairement pourquoi parce que euh, ils ont pris un échantillon de 9000 poules et en pour la petite histoire en gros Reddit c'est un forum donc euh, la partie où on parle de Genshin c'est euh, le forum Genshin sur Reddit. Et euh, bah, là-dessus, il y avait en fait quelqu'un qui a fait une petite étude sur environ 9000 poules. Euh, et il a découvert qu'à partir de la 75e invocation jusqu'à la 80, il y avait un peu plus de chances d'avoir des 5 étoiles. Donc, selon moi, cette étude-là n'est pas fondée dans le sens où 9000 poules, c'est clairement pas assez. Euh, c'est pas assez pour avoir une étude. Après, vous êtes libre de la croire ou non. Je vous le dis au cas où. Moi, personnellement, je n'y crois pas et je n'ai pas pris en compte ce taux-là dans les calculs. Donc, voilà pour, euh, pour ce petit aparté. On voit quand même que. Euh, avant la pitié, il n'y a pas grand chose. Hein. Avant la pitié, il n'y a pas grand chose. On va avoir déjà plus euh, de chances de ne pas avoir un perso 5 étoiles avant la qu'après. Ce, hein. Ce qui est logique, clairement. C'est logique dans une, euh, dans une démarche euh, de gacha d'aller de, jusqu'à la pitié et justement d'avoir le 5 étoiles qui est un peu un dédommagement. Donc le 5 étoiles garanti est plutôt un dédommagement euh, qu'autre chose sachant qu'on a 0,6% de chance d'avoir un 5 étoiles sur un pool unique donc lorsqu'on lâche une invocation, c'est quand même assez euh, compliqué d'avoir un 5 étoiles euh, sans la pitié. Donc Zongli comme vous le savez et comme je vous l'ai démontré, pour moi c'est plutôt un perso qui est défensif. Vous pouvez le stuff attaque hein, si vous voulez, comme tous les persos du jeu, n'importe hein, quel perso du jeu, si vous le stuffez avec énormément de dégâts dans son chip ou euh, d'attaque pour cent, de taux de critique, il va faire des dommages. Mais de base, il, est, il a un set qui est défensif, ça il n'y a clairement euh, pas, de, pas de débat là-dessus, son set ça va être un bouclier, une météorite qui va dépendre de ses PV max et qui va apposer euh, tout simplement du contrôle sur les terrains. Donc les PV, faudra les augmenter. Ce qui est plutôt une stat défensive. De même que euh, le bouclier, c'est une stat défensive qui dépend de ses PV max. Donc clairement, le mot d'ordre sur Zongli, ça va être des PV qui vont être bien augmentés. Vous pouvez faire peut-être un, un mix des deux. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire moi. Entre PV%, pour cent, attaque pour cent. Et euh, peut-être euh, taux de critique pour essayer de lâcher des petits critiques. Au niveau de l'arme, euh, moi je pense que le plus intéressant clairement ça va être l'arme sur son portail. Mais c'est vrai que ça, ça, ça se réserve aux, aux gros gros cash player parce que c'est compliqué quand même. Il faut 80 invocations pour avoir au moins la, la pitié et une chance euh, sur, euh, sur deux. Enfin un peu moins même sur les armes d'avoir euh, euh, le, la lance. Donc tu as pour Zongli. Au niveau euh, des armes gratuites, on a l'arme euh, de chez le forgeron qui est très bien. Le pic qui permet, lorsqu'on récupère une particule d'énergie, de gagner 20% d'attaque. Ça va très bien à Zongli. Si on la renforce en plus, ça peut monter jusqu'à pas mal euh, de bonus de dégâts. Je pense que l'arme du Battle Pass peut être aussi. Euh un choix viable si on lui monte taux de critique, pourquoi Parce que l'arme du Battle Pass, la lance va donner énormément de, de, de taux de critique. et euh, donne un bonus d'attaque et de défense de 16%. Donc, ça c'est plutôt cool, sachant que le perso est un peu défensif, ça permet d'augmenter les deux stats. Et personnellement, je pense que je vais aller plus de ce côté-là. Au niveau euh, des autres lances, on a des lances 3 étoiles qui peuvent être très bien raffinées aussi. On a la lance qui permet notamment euh, d'augmenter les dégâts infligés par les coups de base, donc euh, jusqu'à 48% lorsqu'on lorsqu la, lorsqu la raffine. Et on va avoir aussi une arme 3 étoiles, donc c'est l'Aldebar qui va permettre lorsqu'on la raffine d'infliger 320% de dégâts physiques. Euh, sur les auto-attaques avec un coup de de 10 secondes, euh, si on la raffine au max aussi, donc c'est pas, pas celle que je choisirais, mais après ça peut être viable selon les buts que vous voulez faire. Sachant que l'arme de base de Zongli va permettre de gagner 20% sur ses boucliers, enfin celle qui est disponible, la nouvelle qui va être disponible sur le portail arme 20% sur les boucliers. 20% d'attaque, et en plus de ça, si vous avez un bouclier qui est actif, 100% en plus, donc c'est-à-dire 20% en plus, c'est-à-dire 40% d'attaque et un bonus de 20% sur le bouclier, ce qui est assez énorme. En plus, ça va donner de l'attaque pour cent en stats, donc ce qui va permettre d'augmenter autant ses dégâts de base que les dégâts qu'il va infliger avec son ulti. Donc, euh, zongli, invoqué ou pas, le choix vous revient. Si vous voulez un DPS, donc un perso pour faire pas mal de dommages, je pense qu'il y a mieux. Que lui, clairement, après, si vous fait le pick-up perso, le chara design, etc., et parce que Zongli, quand même, il a la classe, bah, n'hésitez pas à invoquer dessus. Vous pouvez le build selon votre convenance. Je pense que le perso, euh, même s'il a vocation à être défensif, il peut quand même être assez polyvalent. à voir ce que ça va donner, de toute façon, avant les tests, on peut pas vraiment le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que, que son set est plutôt voué à la défense. Je vous laisse sur ces informations-là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, l'abonnement, ça ferait grave de chez grave plaisir. On se retrouve en live sur Twitch, 19h30 ce soir. Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.